supérieure de la collectivité Les Bouts du Sénégal souhaite une très bonne année 2014 et pensant particulièrement aux journalistes, je souhaite à ceux qui sont en otage, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont véritablement l'objet de persécutions dans n'importe quel pays du monde, une année tranquille pour qu'ils puissent ou qu'elles puissent exercer leur métier pour que le monde reste ce que nous souhaitons être, un monde de transparence et de stabilité. Ici au Sénégal, la collectivité que je dirige a pour ambition de participer à l'élan de développement national dans tous les secteurs. Secteur économique, secteur financier, secteur social. Et nous souhaitons donner à travers l'exemple de notre communauté Les Bouts le moyen pertinent de la subsidiarité qui permet à différentes composantes de la population, particulièrement dans des pays comme les nôtres, de se prendre en charge dans beaucoup de secteurs. C'est ainsi que j'ai pu mettre, depuis le mois de mai 2013, des moyens de mettre ensemble des compétences, des expertises, des expériences dont recèle notre communauté dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance, dans le domaine des assurances, dans le domaine de la protection sociale afin que nous puissions aider les populations fragiles, les préserver de la précarité et insérer notre action dans ce plus large du gouvernement. À titre d'exemple, dans le secteur de la médiation sociale, j'ai eu à intervenir pour essayer de résorber un peu les chocs de la crise entre les syndicats et le gouvernement, les syndicats d'enseignement. J'ai eu à intervenir au moment où les étudiants sortis de la PASTEF, le centre de formation, étaient en grève pour le recrutement dans la fonction publique, tenant compte de mon expérience dans ce ministère que j'ai eu à diriger deux fois. Et nous avons continué à travailler dans cette direction. Pour le développement à proprement parler de notre pays qui compte 700 km de côte accessible, nous pensons que l'aquaculture est une double réponse à la rareté de ressources halieutiques et une réponse également à entrer dans le secteur de l'élevage par la pisciculture, l'ostréiculture, la créviticulture, autant d'activités qui nous permettent d'accéder au grand marché européen, mais également générer des ressources. Et nous allons travailler dans cette direction et entraîner les peuples de l'eau du Sénégal dans cette voie. Nous avons également pour projet de redévelopper la culture maraîchère pour aider un peu à varier les ressources. De même qu'avec certaines ambassades accréditées au Sénégal, nous travaillons à avoir des fermes pilotes, des fermes modernes dans l'interland de Dakar, c'est-à-dire dans la zone de Toubab Diala ou du Djender, etc. Nous travaillons également au désenclavement, entre guillemets, de certains coins de la région en développant le transport interurbain. Et nous travaillons dans ce secteur. Pour ce qui concerne la bonne entente des populations, la communauté que je dirige est l'exemple type de tous les syncrétismes. Syncrétisme religieux, syncrétisme culturel. De sorte que nous n'avons pas ici de problème de tolérance entre la religion catholique et la religion musulmane, parce que la tolérance suppose une répartition inégale de composantes. Or ici, moi j'ai failli même servir la messe de minuit avec des amis catholiques. J'ai vendu des rameaux, ou j'ai présenté des rameaux à Pâques devant les églises. Et vice versa, les jeunes catholiques ont participé à toutes les fêtes depuis notre tendre enfance. Donc nous sommes ici une communauté qui consubstantiellement vit le dialogue des religions. Donc nous travaillons également à l'apaisement sur le front social et africain. Donc c'est autant de dimensions que je veux donner à une collectivité dont la caractéristique est d'être originaire de Dakar, mais qui s'est irradiée un peu partout au Sénégal jusqu'en Casamance. Et nous devons également travailler avec la plateforme des femmes de la Casamance pour la paix à résoudre justement ou participer à la résolution progressive de la crise casamançaise. C'est autant de choses que nous avons l'ambition de faire pour notre pays et cette ambition je la porte également en Afrique où le forum des rois, princes et leaders traditionnels africains travaille beaucoup à
d'abord renforcer la cohésion en Afrique, parce que beaucoup de crises qui naissent en Afrique sont des crises internes, ethniques, mais qui transcendent les frontières. Donc nous pensons qu'à ce niveau de proximité, nous devrions aider à amortir les tensions comme ce que nous avons aujourd'hui en Centrafrique. Nous avons là un rôle à jouer et ce rôle nous l'assumerons en rapport avec les États, parce que nous devons accompagner les États. Nous ne sommes pas des États dans nos États. Nous ne sommes pas des forces politiques qui s'opposent à l'organisation de nos États, mais nous sommes dans la disposition de donner notre avis quand on nous le demande et de le donner également quand on ne le demande pas pour la marche de notre pays. Et la collectivité Libou, c'est bien la France. Parce que la particularité de ma communauté, c'est d'être les originaires de Dakar et de la région de Dakar. Et la particularité dans la politique coloniale de la France en Afrique, c'est que Dakar n'a jamais été colonisé comme les autres territoires. C'est par un acte sous forme d'accord de convention d'établissement signé en 1857 que l'État français a eu le droit de venir ici dans la presqu'île, s'approvisionner en eau potable, en bois de chauffe et utiliser certaines parties du territoire de Dakar pour les forces armées françaises. Donc, la France, et c'est ça la particularité de Dakar, c'est d'avoir toujours eu une relation amicale, fraternelle et d'égal à égal. Et c'est pour cette raison que dans beaucoup d'archives françaises, on trouve la collectivité Libou qualifiée de la première république au moment où la France était sous le régime de la royauté et de l'empire, et plus tard de la régence. Déjà en 1857, nous étions un État organisé. La fonction que j'occupe est la plus haute fonction exécutive. Mais autour de moi, nous avons une assemblée qui fonctionne un peu comme les parlements européens, que l'on appelle l'assemblée des Djambou, c'est-à-dire des sages. À côté, nous avons le Djaraf qui joue quasiment le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Nous avons le Saltigué qui est un peu le maître des génies, etc. Donc nous avons une organisation que vous aviez théorisé entre le 16e et le 17e siècle comme république, et quand les premiers Français sont arrivés, ils ont vu en fait l'exemple de ce qu'ils apprenaient à travers les livres. Et ça nous a valu beaucoup de respect et nous avons toujours travaillé dans cette direction, ce que nous continuons de faire. Et les archives françaises sont riches justement d'expériences diverses, de coopération, même au plus fort de l'évangélisation du Sénégal. Parce que nous avons eu à intervenir auprès des Damelles du Cayor pour libérer des évêques qu'on avait retenus à l'époque. Et mes aïeuls étaient intervenus pour leur dire, écoutez, au nom des relations pacifiques que nous avons, la diplomatie, vous n'avez pas le droit de retenir en détention des autres de la collectivité de vous. Autre trait caractéristique, nous sommes un peuple musulman depuis les origines, mais dans ma collectivité, vous avez facilement des noms comme Rosette, comme Marie-Pierre, comme Hélène, pour vous dire à quel point notre prégnance ou alors notre urbanité nous a poussé à transcender la patronymie qui n'est pas une tâche dans notre foi religieuse. Ce sont des exemples que je voulais donner au monde pour dire qu'aujourd'hui, à Dakar, tous ces phénomènes dont on entend parler nous sont absolument étrangers. Lutte entre les religions, entre les ethnies, parce que nous sommes le modèle parfait de tous les syncrétismes ici à Dakar. Donc notre collectivité a cette particularité, contrairement à beaucoup de sociétés africaines, de développer l'exogamie. L'exogamie, c'est justement le mariage entre des femmes de notre collectivité et des personnes extérieures à notre collectivité. Ce qui fait que chez nous, la patronymie n'est pas exclusive. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas un job comme moi ou un beng qu'on n'est pas les bouts. On peut, par exemple, moi j'ai des nièces de mères françaises qui sont des débouts. Nous avons dans notre communauté des goumis, un nom qui peut être attaché à la Casamance. Oui. Donc c'est notre système matriarcal et matrimonial qui fait de nous une société ouverte.